du Ken d'Argent, présenté par le rat des faunes appartenant au rat de Galouin. Christophe Jouandou. Ah ouais, un mâle Aubert, c'est une très belle robe Aubert. Très typé de son père, Ken d'Argent, il est presque blanc. Et Daewoo Ling qui a gagné 3 courses en obstacle. Ah, il a été inspiré, l'ami Jouandou, d'aller à Ken d'Argent il y a 2 ans désormais, parce qu'il était à un tarif très bas encore, par rapport à ce qu'il est devenu, bien sûr. Il devait être à 4 500 €, il me semble, il y a 2 ans. L'année de la conception de ce Zilar. Il est déjà nommé, il s'appelle Zilar, donc. Alors même si ça remonte un peu loin, c'est quand même la famille de Darshan. Parce que la quatrième mère, une fille de Veyran, ça, c'était la sœur de Darshan, champion Darshan, gagnant du Jockey Club devant Rainbow Quest et devant Saddle Swells. Devant Saddle Swells et Rainbow Quest, dans cet ordre d'ailleurs, l'arrivée, en 1984. Voilà, c'est vendu à 14 000 €. Le mari, le commissaire-priseur avait oublié de faire tomber le marteau, c'est indispensable. C'est dans la légalité des ventes, il faut que le marteau tombe et se fasse entendre pour que la vente soit officialisée. Et une fois que le marteau est tombé, la vente est faite. Ça peut paraître comme des pratiques ancestrales, mais c'est toujours tout à fait valable. Ah, il faudra rappeler le 135, d'après ce que j'ai compris. Il y a une folle enchère, peut-être. Bon, bah, deuxième tour pour le 135. Bon, ah, pour l'instant, on va rester avec Ken d'Argent pour le 138. Il n'y a plus que 12 lots à passer au catalogue. C'est la dernière ligne droite. C'est l'heure à laquelle on fait les bonnes affaires, c'est l'heure à laquelle on avait acheté Alice et Nora
Quoique non, il était plus tard. Il était 21h. Aujourd'hui, là, nous en sommes à 19h. Il faut attendre 21h pour acheter des Alice Nora. Avant, on n'a pas les moyens. Malheureusement, les ventes vont finir avant. 3 000 euros. Canne d'argent, 3 000. 3 bien sûr, 3 000. Sylvain, votre enchère, 3 000 euros maintenant. 3 000 euros. Demain, peut-être. Petit de Chabarla, 3 000. Ah, 3 000 euros maintenant, 5 000. 5 000 euros. Pour vous, Sylvain, votre enchère, 10 000 euros. 10 000 euros, Laetitia, 10 000 euros. 10 000 euros maintenant, votre enchère, 10 000 euros. Ah, 12 000 maintenant, 12 000 euros. 12 000 euros maintenant, 12 000 euros. Chiboula, ah, 12 000 euros. Ah, 12 000 euros, Sylvain, votre enchère, 12 000 maintenant, 6 000 euros maintenant, 10 000 euros maintenant. Ah, 12 000 euros. Ah, 12 000 euros maintenant, 12 000 euros maintenant, pour Sylvain, c'est là. Ah, 12 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros maintenant. Ah, 15 000, 15 000, beaucoup, 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 15 000. Ah, 15 000 euros, Sylvain, votre enchère. Ah, 15 000 euros, yeah, gauche, yeah, droite, c'est Sylvain, 15 000. Ah, 15 000 euros, 16 maintenant. Ah, 16 000 euros. Ah, 16 000 euros, Sylvain, on va faire la canne d'argent. Ah, 16 000 euros. Ah, 16 000 euros, 17, 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 17. Oh là là, le temps que je cause à des jolies demoiselles, on en est déjà à 19 000 euros, 20 000 euros même pour le 138, le ken d'argent présenté par le haras de l'hôtellerie. Ça marche, hein. À 22 000 euros. À 22 000 euros l'enchère, c'est 22 000. À 22 000 euros, j'ai vu 22 000. À 22 000 euros. Alors 22 000 euros pour Ken d'argent. Ah, bah oui, il se déplace bien. Alors Ken d'argent qui ne fait pas que des grilles, la preuve. Il a ce poulain comme il se déplace, un vrai cheval de course à 24 000 euros. Quimper qui fait que les gagnants ont 24 000. À 24 000 euros l'enchère alors. À 24 000 euros le marqué de l'EV, Sylvain, votre enchère 24 000 alors. À 24 000 euros, c'est bien vu par le mec. À 24 000 euros pour moi en face, l'homme loup à 24 000. À 24 000 euros pour aller à 25, Sylvain, essayez une encore. À 24 000 euros alors, le marteau se lève, bien vu cette fois-ci. À 24 000 euros, pas de regret, ni en face, 25. 25 000. 25 000 pour un chic poulain de Ken d'argent. 25 000, merci. 25 000 pour un chic poulain, c'est pas grand chose. Et bien d'autres. Prince d'argent, 25 000 seulement. À 25 000 euros. Essayez 26. 26. À 25 000 euros, 26. 6, merci. À 26 000. 26 000 euros, 28 pour l'emmener alors. À 26 000 euros. À 26 000 euros, c'est plus vous, Sylvain, c'est pour nous à la tribune. 26 000. À 26 000 euros maintenant, 26 000. 26 000. À 26 000 euros maintenant, 20,000 l'emmener. À 26 000 euros maintenant, 28, si vous voulez. 26 000 euros, le marteau se lève cette fois-ci, bien vu. À 26 000 euros, voilà, enclenché. À 26 000 euros, bien vu. À 26 000 euros, le marteau se lève pour nous à la tribune. À 26 000 euros, Sylvain, c'est terminé. À 26 000 euros, bien vu, pas de revenu, pas. À 26 000 euros, pas d'erreur. À 26 000 euros. 26 000 euros. On a vu 26 000. Non, non, Sylvain. Sylvain, on veut. Alors, le 135 va-t-il passer maintenant ? Non. Donc, on va passer au 139. Le haras du Longchamp, Barbara Moser, à découvrir sur francecire.com, ainsi que le haras de l'hôtellerie, d'ailleurs, qui nous présentait le lot précédent. Soldier of Fortune et Dalawala, par Rockwing. D'Archan, la dernière Soldier of Fortune de la vente. Super pédigré ici, d'Archan, d'Arémi, produit vivant, famille vivante, Tribal Dancer, d'Arlan Sim, d'Ayapour, et bien d'autres. Des black type, beaucoup de black type ici dans ce pédigré. La fille de Soldier of Fortune, Tiffy Galileo, Queen, combien de buts-on ? 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 3 000, 3 000, 3 000 euros. À 3 000 euros, qui est plus 3 000, 3 000 euros, Louis Seul pousse 3 000, 3 000, qui démarre, 3 000. À 3 000 euros, qui est plus droit, 3 000, 3 000, Guy Merci, Guy Mille, 3 000 euros. À 3 000 euros, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000 euros, Tiffy de Galileo, 3 000. À 3 000 euros, 5, si vous voulez, 5 Soldier of Fortune. À 3 000 euros, à 3 000 euros pour le vendre, 5, 5, maintenant 5 000. 5 000 euros, 6, 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
euros, mais aussi 20 votre enchère à 6 000 euros. Ah, 6 000 euros, 7 maintenant, 7 000. 7 000 euros, Guillaume, on y revient avec vous, 7 000 euros, 7 000. Ah, 7 000 euros, non, 7, 8, 8, 8, maintenant, qui vont en 8 000. Ah, 7 000 euros, 3 000. Alors, ça, c'est une soldier of fortune qui ressemble pas du tout aux autres soldier of fortune, qui ressemble pas à son père et aux autres soldier of fortune qu'on voit d'habitude, des grands chevaux bêtes, très distingués, très élégants. J'ai pas dit qu'elle est pas grande et qu'elle est pas distinguée et élégante. Elle est pas bête déjà, elle est Alzane. Mais elle est beaucoup plus. Elle est plus, comment dire, elle est plus légère, mais elle est plus courte. Elle fait précoce, cette pouliche de Dalawala. Bah, d'ailleurs, la mère Dalawala est une sœur de... Non, pourquoi je dis ça? Parce que le frère de la sœur, il était absolument pas précoce. Il a été troisième du Barbeville sur 3000 mètres et il a gagné le Denizy sur 3100 mètres à Saint-Cloud. C'est la souche de Darshan. Mais, bon, voilà, c'est que mon avis, hein, à l'heure qu'il est, je peux le donner. Ça, c'est une jument de course. D'ailleurs, les acheteurs ne s'y trompent pas. Ils font monter les enchères parce qu'elle est vraiment jolie, cette pouliche. Deuxième produit de la mer. Allez, vendu. Le numéro 140 est présenté par le Hara du Saz, la Primera Copa, Pouliche B, née le 25 avril par... La Primera Cota, fille de Early March, le défunt et regretté Early March, qui file la monte au Hara du Saz chez Roger Yves Simon. Le Hara du Saz qui nous propose... cette fille donc de Early March, en fait qui est du même pédigré, de la même souche maternelle que le 139. Alors c'est pas exactement la même branche, mais on retrouve. Alors Delcy qui est la mère de Darshan, qui était la troisième mère du lot précédent, et la quatrième mère de celui-là. Alors elle est descendue de la souche de Dalara où il y a eu Daliapour, soyez pour. Gagnant de la Coronation Cup et du Hong Kong Vase, groupe 1 à Hong Kong, comme son nom l'indique, avant de devenir un étalon, tout petit étalon, mais plutôt efficace. Et alors, elle s'appelle La Primera Copa, cette pouliche, et c'est la sœur, propre sœur de La Ultima Copa, une femelle noire de Early March qui a gagné 4 courses. Donc c'est la propre sœur d'une gagnante de 4 courses, de 2 à 5 ans cette année, et de 73 000 euros de gains. Donc, c'est du solide. Alors c'est Nicolas Simon, pas le Nicolas Simon du Hara des Marais, hein. Nicolas Simon, le fils de Roger Yves Simon, qui présente lui-même cette pouliche.
enchaîne avec le numéro 141 qui est présenté par l'écurie du Carré des Mages, appartenant à l'écurie du même nom et à Madame Lorraine. Michel Zane, le 4 avril, Lord of England et Dancing Flower. Notez que cette pouliche est vendue 50% sans TVA. Dans la famille, il y a Delavista qui s'est imposé en Allemagne le 15 août depuis l'apparition du catalogue, ainsi que Roxa, placé le 21 août à Deauville et totalisant 27 200 €. Pouliche ici par Lord of England, la mère part comme Templess. La mère a gagné un point en prix, elle a donné plusieurs gagnants. La grand-mère est placée de cours principal, la famille de Intri, de Tripjan Saga. Combien pour débuter les enchères? 5 000 €, 5 000, 3 000, 3 000, 2 000 pour débuter. 3 à 3 000 € qui m'appelle, 3 000 à l'antique, 3 000, 3 000 à 3 000 €, 3 000 € la fille de la mort qui me donne, 3 000, 3 000 à 3 000 € à gauche enchère, qui vaut l'enchère à 3 000, 3 000 à 3 000 € qui couvre l'enchère de 3 000 seulement, mettez vos enchères. 3 à 3 000, 3 000 € en gros à gauche enchère, à 3 000 à l'antique, 3 000, 3 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000 par 8 en gros enchère, qui est à 4 000, 4 000 à 4 000 € but. 4 000 € à la vie de l'homme, qui vous donne, mettez vos enchères, c'est doublé à 4 000, à 4 000 € 5, à droite enchère. 5 000 €, 5 000 à 5 000 € l'enchère à droite cette fois-ci par Sylvain Bu. 5 000 €, ça découvre l'enchère de 5 000. 5 000 à 5 000 €, c'est contre vous, Sylvain. 6 000 cette fois. 6 000, Guy l'enchère de nouveau. À 6 000, à 6 000 € qui couvre l'enchère, qui prend le relais à 6 000 Bu. 6 000 €. 7 à droite. 6 000 € l'enchère à gauche de nouveau par Bougui à 6 000. 6 000 à 6 000 € la fille de Lord of England, mère gagnante ayant produit plusieurs gagnants. À 6 000 € l'enchère est là et on va juger. 6 000 € seulement vous les laissez partir, la fille de Lord of England, la petite fille de Dashing Blade à 6 000 €. C'est vu, c'est votre enchère vie. On est d'accord. 6 000 à 6 000 €. Pas de pas. Sylvain, contre vous. 6 000 €, le marteau se lève, on va la juger, à gauche l'enchère, pas les vins, pas là, rien à droite, à 6 000 €, vous la laissez partir, dernière fois, celle quelque part si vous voulez, à 6 000, le marteau se lève, pas de regret. Voilà. 6 000 €, Guy. Le numéro 142. Présenté par le rat de Concorde, Stormy Dance en poulain bélier français, né le 18 janvier, fils de Stormy River et Danzig Grandchild, vendu sans TVA. Alors le 142, puisque le lot précédent a été vendu pour 6 000 €, la Lord of England, c'est le rat de Grand Camp qui est Eric Lermine, qui nous propose Stormy Dance, fille de Stormy River et Danzig Grandchild. Alors Danzig Grandchild, ça veut dire petite fille de Danzig, et pour cause, puisque cette jument Danzig Grandchild est une fille d'Anaba, lui-même par Danzig. Donc c'est une petite fille de Danzig. Et c'est la souche de Dr Dino, maternelle de Dr Dino, grand voyageur, Manowar Stakes aux États-Unis, groupe 1, Hong Kong Vase, deux fois Hong Kong, Grand Prix de Chantilly en France, et étalon émérite d'ailleurs, étalon émérite. Ou Ara du Ménil. Yeah.
On va juger ? Eh oui. Alors, il ne reste plus que quelques lots à ce catalogue. Donc, on passe au 143. Siouni, un mâle de Siouni et d'Exandra. Alors, par un père de mère, que dont je dois avouer l'ignorance en ce qui me concerne, la mère, elle est par Evipos, lui-même par Stavraitos, lui-même par Nilef. Et la mère de Evipos, elle est par Blip Blip. C'est grec. Ça y est, j'ai trouvé, c'est grec. Parce que Dexandra, en fait, le rat du Kenet, ça appartient à... Enfin, le rat du Kenet appartient à la famille, bien sûr, mais comme client, il y a Leonidas Marinopoulos, le grec. Et Dexandra Lamère, elle a gagné 8 courses en grec, en Grèce. Et elle a donné naissance à un vainqueur par Kavafi appartenant à Leonidas Marinopoulos. Et donc, cette Dexandra a dû être saillie par... Elle est grecque, elle-même, Dexandra. C'est pas commun de trouver une jument en grec dans un catalogue. Et elle descend d'Evipos, qui est un cheval qui a fait la monte en Grèce. Grand élevage grec que personne ne connaît, mais qu'on retrouve ici à travers la descendance de ce produit de Siouni et Dexandra, donc. Famille maternelle de plein de bons chevaux. Sojourne, notamment, qui a gagné un groupe 3. Enfin, voilà. Geisendol, ce qu'on a bien connu, gagnant de la Rochette. Le numéro 144 est maintenant présenté par le haras du Patis. Un pouliche B, né le 18 avril, une fille de Slickly et Diana Labelle. À Fabrice Chappet, le grand retour de l'Olex Técher, qui est sorti du bar, pour nous dire que c'est Fabrice Chappet qui a signé, merci Loïc. L'entraîneur de Mauclair Shield, déjà un fils de Siouni. Ah. Ouh là là. Ouh là là, une Slickly, Diana Lina, la mère sœur de Vision d'État. Et la mère déjà de Calabel, une fille de Cadalco qui a nigué le Orcadia. Groupe 3 à Auteuil. Et elle-même mère de Cadaric, gagnante du prix Diana Listed, femelle gagnante du prix Diana. Et donc la mère, Diana Label par Cinefo, c'est la sœur de Vision d'État. The Phenomenal Vision d'État. Et là, on est à 4000 euros, sans blague.
C'est ça qu'il faut acheter. Bon, il y a Loïc Stéchir qui est revenu. J'ai l'impression qu'il a envie de, il a envie de reprendre le micro. Merci Arnaud. Bah, du coup, je vais finir la vente. On est au 144 et ça finit au 150, je crois, de mémoire. C'est ça. Et il y a encore pas mal de monde pour la fin de cette vente. On enchaîne avec le numéro 145 qui est présenté par le Haras de Plaisance, Vertical. Poulain B, né le 28 février, c'est un fils de Vertigineux et Diluvienne. Donc tout prochainement, souche maternelle de la groupie, de bons chevaux dans la famille, famille bien connue dans la région, combien pour débuter les enchères pour ce bon poulain Vertigineux. Voulez-vous 5000 euros, 5000, 5000, 5000 euros, 5, 3 pour débuter là. Vous assistez en direct les grands débuts de Danise Gorgeux au cadrage, à la caméra, pour ce fils de Vertigineux. Il s'appelle Vertical, il est déjà nommé. Il est présenté par le Haras de Plaisance, la famille de Saint-Palais, qui nous présente donc ce fils de Vertigineux et Diluvienne, une fille de Caldoun, gagnante à une reprise sur 1600 mètres à Longchamp. Déjà mère de deux gagnants. Et le 2 ans, le Deportivo est prêt à débuter, comme l'a dit Emmanuel Viau, qui est actuellement à Longchamp. On a vu un beau carré de pelouse qui est assez alors soit desséché par la chaleur du sud-ouest évidemment. Vertigine, dont les premiers produits ont 2 ans, qui est déjà le père de nombreux vainqueurs. Vertigine fait la monte évidemment chez le docteur Frémio, Yves Frémio, au Haras d'Aigues-Mortes. L'éleveur propriétaire aussi de Vertigineux. Ce fils de nombreux premiers qui faisait la monte cette année au Haras d'Aigues-Mortes, donc comme je viens de vous le dire, aux côtés notamment de Reply. Un nouvel étalon du Haras d'Aigues-Mortes qui a bien sûr à découvrir sur Francière. Le Haras des Loges désormais
qui nous présente Tempus Vernum, une fille de Nakos qui a très bien vendu tout à l'heure le lot numéro 95 qui a été acheté 50 000 euros par Marc-Antoine Bergrach pour Anthony Ford. Donc on retrouve le rat des loges avec cette fille de Nakos et d'une sœur de l'excellente 218, cette fille de Juan Kulket qui est gagnante de l'Isted en Allemagne pour une nièce d'Enrique également. Et une nièce de Synergétique, Enrique qui est étalon en France bien sûr. Assez regardante hein, cette fille de Nakos. Fait la mentoire du Mézeray. Du 118 avait gagné 4 courses. Et son frère Émile. Émile sans E à la fin, fils de Rokov Gibraltar et également gagnant d'une course en Suède. Ah, si le patron était là, m'aurait dit avec plaisir le nom du monsieur qui tient justement cette fille de Nakos, donc qui est le propriétaire du Haras des Loges. S'il m'entend, c'est un appel. Il va venir. Et va me répondre dans la foulée. Arnaud, le propriétaire du Haras des Loges qui est à côté de cette fille de Nakos. Et qui chante, et il chante, il chante soir et matin, c'est Yann Anami. Celui qui avait importé Event Top, le père de Cyril des Aigles en France. Merci Arnaud. Et qui chante effectivement, puisque tout à l'heure, je vous avais dit qu'il avait vendu un fils de KLF pour 50 000 euros à Marc-Antoine Bergrach. Bah, il chantait après la vente, effectivement. Et Pascal Ménard qui signe le bon. Pascal Ménard qui est éleveuse bien sûr à Raduma mais qui a également son agence de courtage sous le nom de Pascal Ménard tout simplement. Et qui est bien sûr présente sur France Cire. Une fille d'Excellente Art qui est peut-être la seule fille d'Excellente Art je crois dans le catalogue. Il y a eu un mâle mais qui a été retiré, qui est présenté par le Haras de Saint-Vincent HSV Agency et qui a été élevé au Haras du Grand Lys. C'est Paolo et Giulia Picchi présents sur France Cire. C'est une fille de Diva Aggressiva, une origine italienne, fille de Tobug. Et une sœur de Diva Cattiva, gagnante de l'Istud à Milan, deuxième de groupe 3 à Milan également. Et donc le Haras du Grand Lys qui nous présente pour cette session de vente Yearling Osarus 2014, la TES, qui nous présente deux Yearling. Il y en a un qui passe aujourd'hui, un qui passe demain. On est à 18 000 euros. Alors Diva Aggressiva a une 2 ans actuellement par Oratorio qui s'appelle Strickland. Elle est en Italie et elle va débuter la semaine prochaine. Cette fille d'Oratorio, donc la sœur aînée de cette Yearling par Excellent Art. Puis après Diva Aggressiva, donc qui est toujours poulinière au Haras de Grand Lys, a une femelle cette année de Wootambasset et elle est actuellement pleine de Siouni. Le père d'Hervedia, entre autres, troisième du Morny cette année. Excellent Art gagnant de groupe 1 à 3 ans dans les St. James Palace Stakes. Il
Mais je pense qu'elle est partie à ce tarif-là. Le Rat de Grand-Lys avait vendu leur premier yearling l'an dernier sous le nom du Rat du Ténet. C'est une fille de The Way You Are qui était repassée cette année au ventre Breeze Up et qui est à l'entraînement actuellement chez Cricket Ted Marek. La pouche est un peu nerveuse là, avec ses entartes. Là. Pour revenir à cette The Way You Are, une 2 ans qui est à l'entraînement chez Cricket Ted Marek. Elle n'est pas encore nommée pour l'instant. Elle devrait être très tardive, selon les dires de son entourage. Et qui va porter la casaque d'Ashaka Bracing. Alors c'est Thierry Dalalanga qu'on voit de dos à HSV Agency sous la casquette qui signe le bon. Alors acheter ou racheter, faudra voir attendre les résultats officiels. Tiens, je viens de voir Marie-Laure Collet qui vient de s'installer dans les tribunes. Marie-Laure Collet, pourquoi ? Parce qu'elle nous présente ce lot numéro 148. Le rat de Clairefontaine, évidemment. Ce fils de Soul City, déjà nommé, s'appelle Bebop Tango. La mère par Enrique. Tout à l'heure, on parlait d'Enrique, puisque le 146 était une nièce d'Enrique. La deuxième mère est par Miss Waki. Père de mère de Dalakani, entre autres. Et évidemment de Delamy. Au téléphone ? Non, je ne suis pas au téléphone. Non, c'est pas pour moi. Il y a Arnaud Bédoué. Écurie des Nonnés qui est au téléphone, entre autres. Pour l'instant, on est à 7 pour ce fils de Soul City. Dans les premiers produits, sont Yearling. Soul City qui est étalon au rat du Saz. Ce gagnant de La Rochette. Le prix de La Rochette, pardon, qui s'est couru il y a quelques jours seulement. Qui a été gagné par Fullmast cette année. Un futur candidat au Grand Critérium, au prix Jean-Luc Lagardère. Ce représentant Abdullah, entraîné par Cricketed. Cricketed qui était d'ailleurs aux États-Unis il y a quelques jours pour les ventes de Kinland, qui ont toujours lieu d'ailleurs actuellement. Et Nicolas Clément qui est là aussi pour ses ventes, qui est actuellement aux côtés de Bertrand Le Métayer, PLM Bleu Soc évidemment, qui a acheté à Baden-Baden. Bertrand Le Métayer pour Al-Shahani Aston. Il a acheté 2 produits à fort prix. Vous pouvez retrouver ça dans le bilan tout simplement des ventes de Baden-Baden. Rédigé par un certain Loïc Techer. Juste en bas la boîte. Cette dame qui est de dos, Paul Oreiller. Et qui signe le bon. Et la grand-mère Alips a gagné le fameux Prix Horse Racing Abroad, qui est le plus gros réclamé de 2 ans en France et qui se court la veille du prix de l'Arc de Triomphe. Le Prix Horse Racing Abroad, donc, qui a été gagné par Alips. C'est la deuxième mère de ce poulain, par Vertigineux, encore une fois. Et il s'appelle Tupila. Et qui est présenté justement par le Haras d'Aigues-Mortes, qui a été élevé également au Haras d'Aigues-Mortes, chez le Dr Yves Frémio. On a un inbreeding sur Kendor, 3x3, assez poussé.
on s'en rappelle que l'an dernier, oui, c'était l'an dernier, oui. Guillaume Bacquart, qui est présent aussi aujourd'hui, j'ai aperçu, avait acheté un produit de vertigineux pour 16 000 euros l'an dernier, ici même à ses ventes aux Arus Lattès, donc 2013. €12 000, c'est Christian Scandella pour l'instant qui a l'enchère. Entraîneur du Sud-Est. Entraîneur entre autres de Dali Babette qui avait participé à la poule d'essai. Et ben voilà qui a l'enchère, Christian Scandella. Et donc le dernier numéro de cette première journée vacation Yearling 2014 Lattès aux Arus. Le numéro 150 est déjà nommé, c'est un fils de Spanish Moon. Étalon au Haras du Lion, évidemment, ce fils d'El Prado gagnant de groupe 1, Grand Prix de Saint-Cloud. Et la mère est une fille de double raid qui a pas mal produit pour l'instant. Elle est la mère de Angel Melody, un fils de Johan Quats gagnant de 14 courses. De double mix gagnant 6 courses, de Quats Melody gagnant 3 courses et de 2 autres gagnants. Elle-même, la mère, avait gagné 7 courses de 900 à 1400 mètres. Très précoce. Du précoce, enfin de la tenue sur du précoce alors du coup. Et donc ce numéro 150 est présenté par l'élevage du Davier. Laetitia, une seule enchère, 4000. 4000 euros à droite l'enchère, c'est vu, pas de regret. Le marteau se lève, le dernier numéro de la journée à 4000 euros. À droite l'enchère à 4000. Le mal de Spanish Moon, vous le laissez partir. Bien vu, fini, dernière fois. 4000, c'est votre enchère, Sylvain. Le marteau se lève, on va la juger. 4000, pas de regret, dernière fois. Oula, mais c'est déjà terminé! Exactement, il est 19h40. Pardon. Ah bah c'est pas comme à Baden-Baden où les ventes durent pendant quoi, 12 heures? Elles ont duré 12 heures, ouais, les ventes à Baden-Baden, donc c'était assez soutenu effectivement pour une journée de vente. C'est le rythme non soutenu, mais là, alors rendez-vous demain à 12h30 pour la suite et la fin de cette vente, de cette session d'Aux Arus. Demain matin, avant 12h30, Loïc, tu vas écrire, bien sûr, le résumé, l'article de présent, de, où il y aura tous les différés, d'ailleurs, entiers des ventes d'aujourd'hui, avec toutes les infos, les anecdotes, etc. Exactement, et le bilan de la première journée, tout simplement. Effectivement. Demain, on se retrouve donc à 12h30. Je laisserai exceptionnellement le micro, alors je ne suis pas assez grand, à Loïc, parce que ça lui a manqué aujourd'hui. Et demain, on se retrouve donc à 12h30 pour la suite et la fin de cette vente aux Arus de Yearling qui se passe ici sous le soleil torride du mois de septembre à Lattès. À demain, Loïc. Il fait chaud. À demain, Arnaud. Allez, on se retrouve demain avec Jérôme, Anne-Lise, Élise et toute la compagnie créole. Ciao.